Immense tragédie, l'opération de sauvetage après l'effondrement d'un viaduc à Gênes, dossier, et effondrement d'un viaduc en Italie, 10, un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulé ce mardi vers midi à Gênes, emportant au moins une vingtaine de véhicules et faisant 11 morts, selon un bilan encore provisoire. Une vaste opération de sauvetage est en cours sur les lieux du drame. Une opération de sauvetage est en cours à Gênes, où un viaduc de l'autoroute A10 s'est effondré ce mardi vers midi, faisant au moins 11 morts. Le ministre italien des Transports Danilo Toninelli a dit craindre « une immense tragédie », alors que les services ambulanciers évoquent des dizaines de morts. Je suis avec une immense appréhension ce qui est arrivé à Gênes et qui se profile comme une immense tragédie, a déclaré Danilo Toninelli sur son compte Twitter. Selon les pompiers, le pont di Morandi s'est effondré vers midi, 10h GMT. Les équipes des pompiers sont engagées en nombre, les équipes de recherche et cynophiles sont activées, ont-ils annoncé sur Twitter. Construit sur l'autoroute A10 dans les années 1960, l'édifice avait connu d'importants travaux de rénovation en 2016.